So what people call leaves. So sometimes you shake hands with people hand very warm. Oh, that is nice. But sometimes you shake hands with people, you find out the people hand very cold. Why very cold? Just because you poor blood circulation. Because our hand at the end of the hour, a micro blood, vessel. So if your blood circulation is poor, the blood cannot reach that end, the micro, vessel. Other nervous system also have problem. So when you shake hands, his hands is very cold. That reason why? Why cold? Donc parfois quand vous serrez la main des gens, vous sentez que leur main est vraiment froide. Qu'est-ce qui cause la froideur au niveau des mains? C'est toujours une mauvaise circulation du sang. Vous savez qu'au niveau des mains, il y a des micro-vaisseaux, de petites veines. Et lorsque le sang ne circule pas très bien, ça n'arrive pas à atteindre ces petites veines-là, ces micro-vaisseaux-là. Donc, le sang n'arrive plus à circuler au niveau de la main. Vous savez que le corps humain doit rester à une certaine température. Donc, quand le sang n'arrive pas au bout des doigts, au bout des mains, ça a tendance, la main a tendance à se refroidir. C'est ça qui fait que parfois, des personnes ont la main froide. Quand vous leur serrez la main, vous sentez que leur main est froide. Ça veut dire que quelque chose ne va pas au niveau de la circulation du sang. Even the numb lips, also due to the region of poor blood circulation of your arms or legs, your hand as well. Donc, la froideur au niveau des pieds aussi, c'est pareil. Lorsque le sang n'arrive plus à atteindre les minuscules vaisseaux au niveau des orteils, au niveau du pied, le sang n'arrive plus à. Le sang ne parvient plus à ces endroits-là. Et lorsque c'est comme ça, il y a une certaine fraîcheur qui se ressent au niveau des pieds. OK. So we also have other symptoms. The weight, we already mentioned, hair loss. OK. Frequent urine. This is a symptom. So in the middle nine, people should have some sleep. But people get up, wake up, need to go to toilet again, urine again. Why like this? Actually, it already show you have a problem of your body. You are in sapphire seizure. Donc, d'autres symptômes aussi de l'état de sous-santé, c'est la perte de poids, comme on a dit, ou un poids irrégulier. La perte des cheveux aussi. Certaines personnes ont tendance à aller tout le temps uriner. C'est un problème de santé aussi auquel il faut prêter attention. Il y a des hommes ou bien des femmes qui n'ont plus envie d'avoir des rapports sexuels. Les relations sexuelles, ça ne leur dit plus rien. L'homme n'arrive plus à se lever comme il faut. Ça, tout ça, c'est des problèmes de santé auxquels il faut prêter attention. Symbole de l'état de sous-santé, la perte de mémoire, on ne se rappelle plus les choses comme il faut. C'est aussi un symptôme de l'état de sous-santé. Hein? Quand on n'arrive plus à se concentrer sur certaines choses, on a des difficultés de concentration, ça veut dire que quelque chose ne va pas au niveau du cerveau. Lorsqu'on a l'insomnie, hein, on est tout le temps soucieux. On sent parfois des douleurs dans le corps, mais on n'arrive pas à le situer, on n'arrive pas à déterminer, mais qu'est-ce qui cause telle ou telle douleur au niveau de tel ou tel organe? Quand ça arrive, c'est des messages que le corps envoie pour dire quelque chose ne va pas. Donc, il faut, c'est des signes aussi de l'état de sous-santé. Tout le temps fatigué, on est tout le temps dépressif. Also, somebody have the symptom of a weak libido. Libido, if people have a poor sexual function. Okay, you cannot meet the need of your wife, or you cannot make a good love. Okay, your wife not happy. Why? Because you somehow have a stature. So normally people get old, okay, 60 about, it's understandable. But so many people who are already young, 30 years old, 40 years old, but they're poor, sexual function, that is terrible. Okay, why? I already tell you, you are the subconscious stutter. Donc, revenons un peu sur la question de la libido. Vous savez, en général, on commence par avoir des faiblesses sexuelles au-delà de l'âge de 60 ans. En temps normal, un homme qui a plus de 60 ans peut voir un certain déclin au niveau de sa libido. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons des jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans aujourd'hui qui ont des problèmes pour bander comme il faut. Ça, c'est un symptôme aussi de l'état de sous-santé auquel il faut prêter attention. L'homme n'arrive plus à satisfaire sa femme et puis il y a des problèmes. Quand ça arrive, il faut pouvoir expliquer aux gens que c'est quelque chose qui ne va pas au niveau du corps. Donc, il faut soigner ça, il faut prendre soin de ça.
So the memory loss, lost memory, can remember, remember clearly, okay, they're young, you know, they're not old person. Also people lack of control. Those people already show the symptom, lack of focus. Even some young people, young guys, actually issue the attention, focus easily, but they cannot focus. Which already say that your nervous system have a problem. Insomnia in the night, cannot sleep well, okay, show the nervous system. People worried, so the you know, the mood is not in the good situation. Or the pain cannot be detected. They don't know what happened, but pain so much, but cannot find the sources of the, cannot find the reason where the pain and the depression, the tired, feel fatigue. Actually, people do not do hard work, do not do the long time work, but people feel very, very tired, always want to go to bed to sleep. Those things already tell people who are in serious subhealth feature. People should pay more and more attention about his health. Il faut comprendre que lorsqu'on en arrive à ne plus pouvoir se concentrer comme il faut, lorsqu'on arrive à ne plus dormir comme il faut savoir que le système nerveux central est déjà en difficulté. Lorsque le système nerveux central a des problèmes, nous n'arrivons plus à nous concentrer. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus de jeunes personnes ont des difficultés à pouvoir apprendre, ont des difficultés à pouvoir retenir, ont des difficultés à pouvoir se concentrer et bien dormir. Tout ça, c'est les symptômes de l'état de sous-santé. Quand ça arrive, il faut pouvoir le détecter assez tôt et trouver la solution qu'il faut. Les gens ont des douleurs un peu partout, les gens sont dépressifs. Sans même avoir accompli des tâches importantes, on se sent fatigué tout le temps. Quelqu'un qui est assis, il ne travaille pas, il ne fait rien, mais il se sent fatigué. C'est un message. C'est un symptôme de l'état de sous-santé. Il faut pouvoir détecter cela et pouvoir apporter la solution rapidement. So, okay, the result of the self-health are cause a big problem. Okay, you see, lower the work efficiency. Somebody finish work only within 1 hour. Use 1 hour, but some people should use 2 hours. Because what? Because the people's body is weak. They don't have enough the power to do the work effectively. Okay. Donc, il faut savoir que le résultat de l'état de santé, ça aboutit à quoi généralement? Ça aboutit à ce que nous appelons la baisse d'énergie vitale. C'est-à-dire ça apporte atteinte à notre rentabilité, quoi, à notre rendement de tous les jours. Quelqu'un qui est en état de sous-santé aura du mal à accomplir ses tâches quotidiennes. Ce qu'on avait l'habitude de faire en général en temps normal, on a des difficultés pour les faire en une journée. Donc, soit c'est la fatigue, soit c'est le manque de concentration. Le résultat, c'est que ça joue sur notre rendement quotidien. Okay, second fact, the quality of the living. Just like I already mentioned, somebody lose the memory easily, somebody insomnia cannot sleep immediately, and somebody cannot make good love as well. What causes a big problem as well? People cannot enjoy happy life. Even the learning, because somebody cannot focus, somebody lose memories. Okay, this series affect people's learning as well. D'accord. L'état de sous-santé affecte aussi la qualité de notre façon de vivre. Les habitudes quotidiennes sont affectées. On a du mal à bien manger. On a du mal à bien dormir. On a parfois même du mal à se réjouir comme tout le monde parce qu'on ne se sent pas à l'aise quand les gens font des distractions, on n'est pas intéressé. Et quand ça arrive, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Même satisfaire les besoins les plus élémentaires, on en devient incapable. Et ça cause des problèmes dans le foyer. Ça cause des problèmes au niveau de la société. Ça cause des problèmes sur le plan du travail. Donc, il faut savoir que quand ça arrive comme ça, c'est le résultat de l'état de sous-santé. Ce sont les symptômes qu'on est en train de voir comme ça. And also cause the mental or psychological diseases. People don't have good mood. People like to lose temper easily, quarrel, fight with other people. Wow, shouting, always like that. That already tell you are in serious disease situation. L'état de sous-santé aussi peut causer des maladies mentales et psychologiques. Et ça fait que, on a parlé tout à l'heure de l'énervement.
Quand quelqu'un, les gens ont tendance à s'énerver très rapidement pour rien du tout. Et il ne faut pas penser à la légère, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire qu'au niveau du système nerveux, il y a une défaillance quelque part. Il faut prêter attention à ça. Et ce que nous devons faire, apprendre pour les jeunes personnes, par exemple, qui sont à l'école, les gens ont des difficultés pour mémoriser, pour apprendre un métier. Il ne faut pas penser que c'est un taré. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de sa santé. Donc, il faut être très attentif à ces détails-là. So actually, for human beings, we should enjoy good, habits. So why? Because human beings have a bio clock. Bio clock means what? 11 o'clock. Before 11 o'clock, people need to go to bed, sleep. So we should advise people, suggest people that people should sleep earlier and wake up in the morning earlier. But a lot of people cannot sleep by 11 o'clock, even in the middle of night. Okay, 1 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock, people cannot sleep. That actually causes your bio clock in this older situation. L'autre raison aussi qui nous amène vers cette situation-là, c'est le désordre au niveau de l'horloge circadienne, c'est-à-dire l'horloge biologique que nous avons en nous-mêmes. Quand ça arrive à être désordonné, quand il y a un désordre qui s'installe à ce niveau-là, on a des difficultés parce que la plupart des gens aujourd'hui, nous avons du mal à aller dormir avant l'heure de 23 heures. Beaucoup de personnes dorment autour de 0h, 1h, 2h du matin. Quand c'est le cas, soyez-en sûrs, ça amène un désordre au niveau de l'horloge biologique. Le corps, l'horloge est totalement désordonnée, ça ne fonctionne plus bien. On devrait pouvoir aller au lit avant 22, 23 heures et se réveiller le matin autour de 6 heures, 7 heures, normalement. Et on dort bien, on se lève, on est en bonne santé. Mais étant donné que l'horloge biologique est désordonnée parce qu'on dort tard, on mange tard et on dort tard, ces choses-là aussi amènent vers l'état de sous-santé. Okay, next is affect the health and lifespan. Many people cannot live longer, okay, than normal people. So that is terrible. So if you want to live more longer, more healthier, from now on, you need to take care of your body, okay? Change some health status to health status. Donc, l'autre cause, hein, de l'état de sous-santé, c'est les morts prématurées. Pas prématurées en tant que telles, mais les gens ne vivent plus très longtemps. Les gens meurent avant un certain nombre d'âge. Pourquoi? Parce que nous avons pris l'habitude d'accumuler les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes nous conduisent vers une espérance de vie réduite. Donc, il faut prêter attention à mener une vie saine, à bien manger, à respecter les consignes de santé, à bien consommer les produits qu'il faut pour être en bonne santé. Cela nous permet de vivre longtemps. Donc, lorsque on est sujet à l'état de sous-santé, ça raccourcit notre espérance de vie. Okay, and also can cause chronic disease as well. That is also, cause you lot of problem. You can not easily kill that, get recovered. That means take long time. Give you big trouble as well for daily life. L'état de sous-santé nous amène aussi vers, nous prépare aux maladies chroniques. Et lorsqu'on parle des maladies chroniques, il faut savoir que c'est des maladies pour lesquelles il n'y a pas de solution. C'est des maladies pour lesquelles il n'y a pas de médicaments. Donc, l'état de sous-santé nous prépare vers ces différentes maladies, entre autres le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, et les problèmes de foie, les problèmes maladies liées au cerveau. L'état de sous-santé nous prépare pour ces maladies-là. Il faut savoir que ces maladies n'ont pas de traitement. C'est-à-dire, quand vous rentrez dedans, c'est pour longtemps. Et ça nous amène souvent, ça amène souvent les gens vers la mort. Donc, il faut prendre conscience de cela et prendre les dispositions qu'il faut.